C'est comme vous voulez. Nous sommes extrêmement confiants sur l'issue du procès Perinchek contre la Suisse. Nous ne pouvons pas imaginer qu'à cette étape-là, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, puisse donner raison à un négationniste et à un État négationniste qui est l'héritier du génocide arménien contre les représentants des victimes. Nous avons la conviction également que nous avons un très très bon dossier sur le plan juridique, au-delà même de cette séance en CEDH, c'est une procédure écrite. Nous avons bien compris également la complicité entre Perinçek et le gouvernement turc, puisque nous avons la sensation que Perinçek est missionné par le gouvernement turc pour aller lancer, semer la propagande négationniste du génocide arménien dans toute l'Europe. L'opinion publique européenne ne s'y trompera pas, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'y trompera pas. Il est absolument scandaleux que Perinçek ait pu déclarer aujourd'hui à l'audience que Talat Pacha était un héros de la liberté. C'est absolument inadmissible, c'est le Hitler turc, c'est le principal ordonnateur du génocide arménien. Cette déclaration est inadmissible, elle ne restera pas sans suite.